tout le monde, déjà toujours dans ce nouveau programme que nous avons d'ailleurs appelé Secret des aliments. Et on a, dans une introduction générale, on a bien parlé donc des aliments et de l'ensemble donc de ce que notre Dieu a créé sur sa terre et les choses naturelles. Le corps est équipé pour les hydrolyser, les choses industrielles, le corps n'est pas équipé pour les hydrolyser, ne reconnaît pas ces choses-là qui proviennent de l'industrie. Et aujourd'hui, on va parler des céréales, donc le premier aliment, le plus ancien et le premier aliment que l'homme a vécu sur, donc que l'homme a utilisé, que l'homme d'ailleurs a connu. Donc c'est les céréales. Et les céréales, ça date parce que bon, dans tous les anciens bouquins, même avant le Coran, là, les céréales étaient mentionnées, et comme dans le Coran, c'est Yuduna Yusuf, dans Sourate Yusuf, là on trouve d'ailleurs les céréales qui sont mentionnées. Et ces céréales, d'ailleurs, ils donnent ce symbole de vie, c'est le pain. Le pain, il provient des céréales, et déjà, le pain, c'est un symbole de vie. Ça veut dire que quand vous avez du pain, ça veut dire que vous avez tout, donc vous pouvez vivre. Eh bien, c'est vrai, oui, c'est vrai, mais si vous avez un bon pain, un pain complet, un pain fermenté convenablement. Mais ce n'est pas le pain que vous trouvez dans le marché, ce n'est pas le pain que vous faites même chez vous. Le pain, d'ailleurs, on va aussi laisser donc ce pain un épisode hein, pour bien parler pain. Déjà, on a déjà parlé pain, mais on va revenir pour dire quels sont les forts de ce pain, parce que finalement, c'est un bon aliment. Pourquoi les gens actuellement, ils sont en train de l'éliminer? Et puis, on a remarqué qu'il y a beaucoup de diets, beaucoup de régimes qui sont en train de négliger les céréales. Non, les céréales, c'est la base de la nutrition humaine. C'est la base, je dis bien, c'est la base, je le dis deux fois. Et les graines, en quelque sorte, ce n'est pas les céréales, mais les graines, parce que les céréales, ça comporte tous les graines amylacées, c'est-à-dire qui contient l'amidon. Donc on a l'orge, on a le riz, on a le blé, les deux variétés de blé, même les trois. Et puis même le quinoa, on a le maïs et tout, ça c'est maïs, orge, blé, avec ces deux variétés, on a quatre. Et puis, on a le riz. Le riz, c'est une bonne céréale. Et ces céréales, elles ont en commun l'amidon, elles ont en commun le chrome, le métal, c'est un métal. Le chrome, il y a beaucoup de minéraux, mais le chrome, c'est un fort, c'est un secret donc, des céréales. Il y a le chrome, il y a la B1-B3, donc la thiaminiacine. Et on a chaque céréale, on va disséquer et on va regarder que chaque céréale a ses secrets. Mais aujourd'hui, on va parler d'une céréale malheureusement qui a été négligée, à un certain moment, qui a été négligée par la science, c'est l'orge. Et l'orge, actuellement, on revient, on est en train de revenir, mais on va le prendre sous forme orge frais ou orge feuille, hein, c'est l'orge vert. Mais non, ça ce n'est pas... on ne peut pas vivre sur ça, on ne peut pas vivre sur les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires sont là pour corriger un peu ce qui manque, mais on ne peut pas vivre sur les compléments, donc il faut ôter ça de... l'orge, c'est une céréale, mais on parle de l'orge naturelle, l'orge beldi, l'orge autochtone, l'orge semence sauvage qui était avant dans notre espace maghrébin, ils étaient même dans tous les pays arabes, d'ailleurs l'Égypte, l'Irak, la Syrie, bon, Palestine, tous ces pays, ils ont de l'orge, ils ont de très bonnes variétés d'orge. Donc, ça. Et en Europe, l'orge était consommée avant, malheureusement... à partir de la Deuxième Guerre mondiale, enfin c'est la deuxième moitié donc, du siècle dernier, on a commencé d'ailleurs, hein, qu'on avait découvert le kwashiorkor. Le kwashiorkor, donc c'est une maladie, donc c'est un marasme, hein, c'est un manque d'acides aminés, donc c'est un manque de protéines en quelque sorte. Et puis à ce moment-là, on a commencé à trop conseiller, à trop recommander donc, les protéines d'origine animale, c'est les viandes. Et puis même la production, la stratégie de production a beaucoup augmenté. Donc on a augmenté la production de la viande, mais on n'a pas oublié les céréales de toute façon. On ne les a pas oubliées parce qu'on ne peut pas les oublier. Parce que c'est des choses qui poussent donc, de la terre, donc on ne peut pas les oublier, mais on a changé ces céréales, on les a changées. Et puis à un certain moment, on dit qu'il faut augmenter la production de la viande et puis on donne l'orge et le maïs donc, au bétail, à l'animal, pour qu'on puisse manger la viande. Oui, on a transformé les céréales en viande. Et c'était, bon, c'était la stratégie des années 60 et 70, d'ailleurs. Bon, c'est encore écrit dans les bouquins, et on a encore des articles qui parlent de ça. Et il y a même des gens actuellement qui parlent sur ces ruines. Ah, c'est des ruines scientifiques. Il y a des gens encore qui parlent encore de ça. On donne l'orge et le maïs pour produire la viande. Et là, c'est faux, parce que allez donner du maïs au poulet, là, et vous allez voir est-ce que vous allez produire de la viande ou vous allez perdre votre maïs. Parce qu'un poulet fermier, un poulet naturel qui vit dans la nature,
Pour produire 1 kg et demi de la viande, il faut lui donner 10 kg de maïs. Hein. Il ne va pas vous donner 2 kg. Mais c'est parce qu'on a utilisé certains hormones et certains facteurs de croissance actuellement qu'on a fait que le poulet, et il fait 2 kg en mangeant quelques 4 kg. Mais sinon, le polybuildi, là, il peut manger 10 kg et vous donne 1 kg. C'est comme ça parce que son rendement, il est parce qu'il mange doucement, la croissance est lente, il est en un an, il faut un an. Hein. Un coq buildi, pour qu'il donne 1,5 kg, 2 kg, il faut un an. Ce n'est pas 40 jours. Et puis on a commencé à produire de la viande, donc au dépend des céréales. On a donné l'orge et le maïs donc, pour produire de la viande. Et ça, c'était faux. C'est pourquoi d'ailleurs, on a la consommation de l'orge en Europe et en Amérique, il n'y a pas de consommation d'orge. Maintenant, on revient. Maintenant, il y a des gens qui ont commencé à... Et l'orge est modifiée. Il n'y a plus d'orge actuellement dans ces pays. C'est que au Maroc, malheureusement, on a un bon orge, mais on a introduit aussi donc, cette orge d'ailleurs de l'alimentation animale qu'on a semée au Maroc et s'est croisée avec les autres variétés. Voilà, et on va dire, oh, tout au moins, il faut qu'on ait un stock génétique. Il faut qu'on ait un stock génétique. Si un jour, là, il y a une catastrophe, on revient vers ce stock génétique pour recultiver donc, la variété naturelle. Et malheureusement, et ce stock génétique, il n'existe pas. Bon, il y a un germoplasme, on a des labos qui ont un germoplasme, mais est-ce qu'ils ont les variétés autochtones pures à 100% qu'on avait avant, parce que c'est déjà croisé dans la nature? Et l'orge, il a les bêta-glucanes, il est riche en bêta-glucanes. Vous savez bien que le pain d'orge, il est noir, et quand les femmes, quand ils pétrissent, elles remarquent déjà que quand ils finissent de pétrir, quand ils laissent un peu, ça noircit. Vous voyez, la pâte noircit, devient sombre. Et ce n'est pas un noir, mais c'est un noir gris. Pourquoi? Parce qu'il y a l'oxydation du polyphénol. Et ces polyphénols qui existent dans l'orge, c'est des antioxydants. Flavonoïdes, polyphénols, c'est le mélange. Donc les deux, les polyphénols et les flavonoïdes, donc ils changent de couleur avec l'oxygène et bien sûr avec les enzymes. C'est une polyphénol oxydase. Et vous savez bien, l'orge, actuellement, c'est une très bonne céréale et elle compte beaucoup mieux que le blé. Et bon, il contient du gluten, c'est tout comme le blé, malheureusement. Il y a un gluten dedans. Mais à part ça, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans l'orge. Ça veut dire une teneur élevée en minéraux, notamment le chrome. On a beaucoup de minéraux comparés au blé. Et on a le zinc, hein, attention, l'élément zinc, manganèse, magnésium et fer aussi, donc calcium, phosphore, etc. dans l'orge. Mais le métal, ce métal de chrome, on va continuer à parler, parce que chrome, c'est le secret des céréales. Le chrome, d'ailleurs le chrome, on le donne aux sportifs, on le donne à beaucoup de personnes, hein, le GTF, le glucose factor tolérance, le facteur glucose factor tolérance. Ça, c'est connu, hein, c'est marqué glucose factor tolérance. Les gens, ils achètent, mais c'est un chrome, tout simplement, qui existe dans les céréales. C'est pas la peine de l'acheter, il existe dans les céréales. Et les gens, ils ont peur actuellement du blé et de l'orge parce qu'il y a du gluten. Et ce n'est pas le gluten qui est le problème. Le problème, c'est dans la fermentation. Et le problème, c'est dans le pétrissage et la fermentation. Et on a bien sûr des lectines dans ces céréales. Bon, tous les aliments, il y a des lectines. Et on ne peut pas continuer à dire qu'il n'y a rien qui permet d'éliminer les lectines des aliments. Et tous les aliments, ils ont des lectines, mais à des niveaux différents. Bon, c'est les légumineuses actuellement qui ont une teneur élevée en lectines. Certains légumes, d'ailleurs, comme la pomme de terre et la tomate, même les poivrons, hein, c'est ce qu'on appelle les solanacées. Hein. Les solanacées, ça contient de la solanine, c'est un lectine un peu dangereux. Plus ou moins dangereux pour la digestion, surtout pour les femmes. Mais les lectines, là, on peut les éliminer uniquement par fermentation. Il n'y a que la fermentation qui permet d'éliminer les lectines. Bon, les Asiatiques qui fermentent les légumineuses, ils sont mieux, beaucoup mieux que nous. Qui fermentent le riz, ils sont beaucoup mieux que nous. Parce que quand on fermente un aliment, on détruit les lectines. Parce que les bactéries lactiques sont douées d'enzymes qui permettent donc d'hydrolyser ces lectines. Et les lectines qui existent dans les céréales, c'est l'acide phytique. Enfin, il y en a beaucoup, mais c'est surtout l'acide phytique. C'est l'acide phytique qui gêne. Et l'acide phytique, il chélate les minéraux, il ne lâche pas les minéraux. Bon, quand on fermente avec un ferment acide, les bactéries lactiques, là, on éclate la molécule de l'IP6, l'inositol hexaphosphate, hein, c'est l'IP6, c'est l'acide phytique. Et quand on coupe une liaison, bon, ça éclate, la molécule éclate et il libère les minéraux, il libère tous les minéraux.
Le chrome, c'est un grand secret des céréales et on a ces antioxydants aussi. Et on a la lignine qui se trouve dans le sang de blé et qui se trouve dans toutes les céréales. Et cette lignine, c'est un grand secret des céréales. Pourquoi? Parce qu'elle se transforme en lignane et les lignanes se transforment en entérolactone et en entérodiol dans les cellules mammaires, dans le sein. Et c'est ces deux molécules qui bloquent le cancer de sein. C'est pourquoi les gens, quand ils étaient avant, ils étaient nourris sur les céréales, sur l'huile d'olive, les légumes et tout ça, un peu de viande, il n'y avait pas de cancer de sein. Mais maintenant qu'on a négligé les fibres, surtout les phytoestrogènes, parce que les lignines, la lignine, c'est un phytoestrogène, c'est des fibres, mais c'est des phytoestrogènes aussi. Donc on a négligé cette composition phytoestrogénique, maintenant le cancer de sein, pas uniquement le cancer de sein, mais hormones dépendantes, fil ovaire, c'est le sein, c'est l'utérus, c'est la prostate chez l'homme et tout ça. Et là, c'est des cancers qui augmentent. Ils n'ont pas émergé, ils ont déjà émergé, les années 60. Mais maintenant, ça augmente et ça augmente farouchement. C'est faux comme augmentation. Et les gens, ils ont peur actuellement, surtout les femmes. Les femmes, ils sont terrorisées par le cancer de sein. Alors que on refuse encore de dire qu'il y a des causes. Il y a des causes. On refuse la cause que c'est alimentaire. C'est alimentaire à 100%. C'est alimentaire. C'est les hormones xénobiotiques qui se trouvent dans les aliments, hein, qui sont apportées par les aliments d'origine animale. C'est les hormones xénobiotiques, il y en a beaucoup. Et c'est aussi le manque des phytoestrogènes dans le régime. Et si la quantité élevée du cholestérol et du gras, et c'est le manque de l'oméga 3 et de l'acide folique, il y en a un cancer de sein. Tout simplement, bon, quand on diminue les fibres, les phytoestrogènes, et on augmente le cholestérol et le gras, et puis on a les hormones xénobiotiques, là vous avez un problème. Ça c'est clair. Il y a les causes, et les causes sont connues, mais ne sont pas connues dans le domaine médical, malheureusement. Elles sont connues dans le domaine scientifique. Mais je disais actuellement, il y a une grande résistance. Il y a des gens qui résistent, qui disent « Ah non, le cancer, ce n'est pas une cause, c'est trois causes. » Oui, mais les trois causes existent dans les aliments. Même les 15 causes, elles se trouvent dans l'alimentaire. Parce que toutes les choses qui entrent par la bouche ou par le nez, quand on respire, les dioxines, quand on respire, quand on les gaz à effet de serre, là, et même les frayons de refroidissement et tout ça, mais ça c'est des causes. Mais l'eau et l'alimentation, là, disons les aliments et l'eau aussi c'est un aliment, hein, c'est les 90% des facteurs. Et peut-être il y a des radiations, peut-être il y a des produits de nettoyage, peut-être il y a même des médicaments, peut-être il y a des produits cosmétiques, peut-être il y a des choses dans la nature, oui, c'est sûr, les métaux lourds, les pesticides et tout ça, oui, ça c'est sûr. Mais tout ça ça entre par la bouche. Et ça, tout ça, ça existe dans les aliments. Les pesticides, ça existe dans les aliments. Les pesticides, on ne va pas les prendre de l'air, on ne va pas les respirer. Et les céréales, attention, les céréales, ça, c'est des inhibiteurs des cancers du sein. Et quand on diminue, bien sûr, on ne va pas prendre les céréales comme ça pour guérir un cancer du sein. Non, on ne dit pas ça. Hein. Mais déjà, les gens qui étaient nourris, historiquement, on connaît bien comment les maladies, ils ont trouvé donc, cette allure, d'ailleurs, très alarmante. C'est que les gens qui étaient nourris sur les céréales avant, les légumineuses, et puis les végétaux, les fruits, tout ça, ils n'avaient pas de problème, ni cardiovasculaire, ni lithiase, ni cancer du sein, ni rien. Mais maintenant qu'on a commencé à introduire les produits industriels, les produits stérilisés, les produits d'origine animale, surtout les produits d'origine animale, et puis les produits synthétiques, comme les additifs et tout ça, là maintenant on a toutes les maladies. On a des maladies actuellement qu'on ne trouve pas de solution, les maladies auto-immunes. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Il ne faut pas aller en dire n'importe quoi, non, il n'y a pas de solution. Les maladies auto-immunes, ce n'est pas des maladies microbiennes, ce n'est pas un cancer, c'est des maladies. C'est un dérèglement de la programmation même du corps. Voyez. Les cellules ne se reconnaissent plus. Et les maladies auto-immunes, actuellement, il n'y a rien. Bon, il y a des corticoïdes stéroïdiens bon, dans nos gens, mais il n'y a pas. Et puis la solution, ce n'est pas ça. La solution, ce n'est pas rechercher une molécule chimique qui guérit ces maladies. La solution, c'est revenir d'abord pour qu'il n'y ait pas ces maladies. Et cette solution, d'ailleurs, il est possible, mais ce n'est pas la solution qui plaît à tout le monde. Ce n'est pas une solution qui plaît à tout le monde. Et la solution, c'est ne pas avoir des maladies, ce n'est pas construire des hôpitaux, avoir des équipements et tout ça. Mais d'abord, maintenant, on connaît la stratégie. Il doit y avoir une stratégie. Maintenant, on connaît les causes de la maladie. Il faut les éviter, et c'est tout, et on vit tranquillement. Et malheureusement, il n'y a aucune stratégie de par le monde, il n'y en a pas. Maintenant, hein, qui va obliger les gens à revenir vers ça et puis à au moins diminuer. On ne peut pas quand même éradiquer tous les animaux, mais on diminue. On a utilisé les antibiotiques et la vaccination pour éradiquer beaucoup de maladies, pardon. Et maintenant, on ne fait rien. On regarde les maladies auto-immunes, les cancers, on ne fait rien. Bon, il faut faire quelque chose parce qu'il faut qu'il y ait une stratégie au moins qui permet de diminuer. On va où? On ne sait pas, c'est point d'interrogation, on va où, hein. Là, et les céréales, aujourd'hui, enfin, l'orge, avec l'orge,
Et l'orge est mieux que le blé, et l'orge est mieux que le maïs. À part le gluten, l'orge est aussi mieux que le riz. Et on verra bien que le riz, c'est la meilleure des céréales, mais l'orge aussi, parce qu'il est très fort par les bêta-glucans. Et les bêta-glucans, il attache, donc il lie les cellules biliaires au niveau donc, de l'intestin, parce que les cellules biliaires, ça émulsifie le gras, il le dépose dans l'intestin grêle et il revient. C'est la circulation entérohépatique. Il revient à la vésicule biliaire. Et le bêta-glucan, et même toutes les fibres d'ailleurs, ils retiennent donc ces cellules biliaires. Hein, ils les lient, vous voyez, hein, ils les emprisonnent et ils ne reviennent pas. Et quand ils ne reviennent pas, donc il manque de cellules biliaires, hein, manque de bile. Le foie utilise le cholestérol, il casse le cholestérol pour en fabriquer une nouvelle bile. Et c'est pourquoi d'ailleurs les gens qui étaient nourris sur un régime riche en fibres, il n'y avait pas de lithiase. Ils n'avaient pas de lithiase, pourquoi? Parce que le cholestérol est consommé. Sinon, le régime viande, c'est un régime qui permet donc la cristallisation du cholestérol, vieillissement d'ailleurs de la bile. Et on a des lithiases, des gros lithiases, c'est pas des petits. Et le bêta-glucan, la niacinthiamine B1-B3, et puis on a les bêta-glucans, l'orge c'est les bêta-glucans, c'est tous les bêta-glucans. Et ce facteur GTF, comme il est plus élevé, les minéraux, tous les minéraux d'ailleurs, sont plus élevés dans l'orge que dans le blé. Et ça, c'est secret, vous voyez qu'actuellement les gens, ils achètent le chrome, ils l'achètent comme complément, alors qu'il existe dans l'orge. Et puis, il y a les gens qui ont beaucoup de problèmes avec ces phytoestrogènes et ces lignines. Il y a des problèmes, surtout les femmes actuellement. Et puis, on a l'orge, un aliment simple que les gens peuvent pétrir ou même le manger sous forme de semoule, le couscous et tout. Mais on verra bien, quand on parlera de la fermentation, on verra bien que cet acide phytique, il est détruit par les bactéries lactiques. Et puisqu'il est détruit, il n'y a que les bactéries lactiques qui détruisent l'acide phytique, parce que je sais ce que j'ai, bon, j'étais le premier à démontrer ça dans la levure traditionnelle. C'était en 1992, nous étions les premiers à démontrer que l'acide phytique est hydrolysé par les fermentants traditionnels. On a 3-4 publications, on a 2 thèses, on a même 3 thèses. On a 3 thèses sur la fermentation du pain. Là, et ben c'est pour, je sais ce que je dis, parce que c'est du laboratoire. Moi, je ne copie rien, je n'ai rien. Bon, hein, j'apprends tout par cœur. Et ces bactéries lactiques, si les gens veulent bien bénéficier donc, des biens de l'orge, toutes les céréales d'ailleurs, mais surtout l'orge, c'est qu'il faut le prendre sous forme de pain, il faut qu'il soit fermenté par un ferment traditionnel, acide. Là, on est tranquille, les minéraux sont libérés, les vitamines sont libérées, on n'a pas de problème. Sinon, sous forme de semoule, il y a des gens qui préparent un bouillon, une soupe d'orge, c'est pas très nutritif. C'est pas tellement nutritif, mais ce qui est nutritif, c'est lorsque vous faites cuire cette graine de couscous d'orge avec la vapeur, dans une couscoussière, hein, on fait cuire par la vapeur. Il y a des industriels en Europe actuellement qui ont commencé à vendre ce produit, mais ils n'ont qu'à le faire avec l'orge, et puis c'est bon. Hein. Il y a même à Bruxelles, et même à Anvers déjà, il y a une fabrication qui fait ça. Et si cette graine est bien cuite à la vapeur, il faut bien cuire la graine d'orge à la vapeur. Et puis, on la prend avec un lait fermenté, un yaourt brassé ou un leben, mais le leben est meilleur. Mais en Europe et en Amérique, vous savez bien que ils ont du leben, mais c'est un leben ensemencé, c'est pas un leben naturel. C'est un leben inoculé. Hein. Le lait est pasteurisé et on ajoute un ferment. Alors que le leben, il doit être fait spontanément, il doit être fermenté par sa propre flore, donc microflore, hein, microbiota. Et s'il y a du leben, c'est la meilleure des choses. Donc quand on mélange du leben avec la semoule d'orge, là, on a l'acide phytique hydrolysé, on enlève les lectines, et puis on est tranquille, on est à 100% de nutrition et de diététique, parce que c'est un aliment diététique, l'orge est un aliment diététique, parce que les diabétiques, l'orge est mieux que le blé, et ce leben ajouté à une semoule donc ne fait pas de mal même aux diabétiques, parce que le leben, il y a du lactose bien sûr, quand on le mélange avec le sirop, mais le leben est mieux que le lait pour les diabétiques, je dis bien, le leben est mieux que le lait, pourquoi? Parce qu'on enlève la matière grasse. Et parce qu'il y a des probiotiques, il y a les bactéries lactiques. Et quand on ajoute du leben à cette semoule d'orge cuite à la vapeur, là c'est un aliment noble, là ça devient beaucoup plus. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des secrets dans les aliments qui se trouvent dans la nature, il y a les secrets même dans la façon de les préparer. Et ce secret
Il n'y avait pas de laboratoire, il n'y a pas de recherche. La microbiologie, c'était la dernière science. La microbiologie, c'était la dernière science avec Antoni van Leeuwenhoek. Il n'y avait pas de microscope et puis c'était la dernière science. Pourquoi? Parce que c'est des micro-organismes qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et maintenant, l'homme a vécu, il a su vivre mieux que nous maintenant avec notre microscope électronique. Voyez, et le leuben, quand on ajoute du leuben à cette semoule cuite à la vapeur, là, on hydrolyse l'acide phytique. Et vous savez bien qu'il n'y a pas de moyen d'enlever les lectines. Et c'est un moyen qu'on peut utiliser aussi pour la semoule de blé et la semoule de maïs. La semoule de maïs aussi, on peut l'utiliser, ça, pourquoi pas. Mais l'orge, attention, l'orge avec le leuben, ça marche bien, et ça marche pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, pour les gens qui ont des problèmes de santé, de toute façon. Donc ça c'est un élément. Il faut qu'ils profitent donc des fibres, des antioxydants de l'orge, des bêta-glucans de l'orge, du facteur GTF, donc le glucose tolérance facteur. Et puis, il faut qu'il profite de cette niacine thiamine qui empêche la formation de protéines. Et puis, le niveau de protéines de l'orge, ça dépend des variétés. Ça va de 9 jusqu'à 11. Il y a même des variétés d'orge qui ont 12% de protéines. C'est une quantité, c'est une teneur, qui est suffisante pour le corps. Quand on a 10% de protéines, on est bien. L'orge, il y a des gens qui disent que les protéines... Non, les protéines existent dans les céréales. Elles ont des 10% et c'est la quantité qu'il faut. C'est la quantité qu'il faut à l'organisme pour qu'il n'y ait pas d'obésité. Bon, les gens qui vivaient sur les céréales, ils n'avaient pas d'obésité. Actuellement, on a une obésité. Pourquoi? Parce qu'on a trop de protéines et en même temps avec les sucres, surtout quand on ajoute le gras, et on a les trois nutriments en même temps avec une grande quantité. Vous voyez, le corps, il faut qu'il stocke. Il faut qu'il stocke. Quand vous donnez un trop de votre corps, il faut qu'il stocke. Il stocke quoi? Il stocke les graisses. Il stocke l'énergie sous forme de graisse. Et vous avez une obésité et vous avez beaucoup de choses. Pas uniquement une obésité, vous avez un problème de cholestérol, hypertension et tout ça, cardiovasculaire et tout ça. Donc, voyez, on a commencé par l'orge pour dire ces secrets. On va continuer à parler chaque aliment pour enseigner exactement. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des sciences alimentaires. Rien que ces éléments sont très suffisants d'ailleurs pour que les gens savent. Que les gens sachent vivre au moins. Donc, en paix. Inch'Allah, un autre épisode. Salam alaikum.